Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la rubrique Profil Hebdo, yon condensé actualité semaine. N'ap démarré avec marché changelant pour nous faire connaître. Taux référence BRH là pour journée 22 avril 2023, c'est 153 gouttes 50-20 pour yon dollar américain. Taux moyen acquisition, ça qui est le TMA, pour journée 22 avril 2023, d'après calcul Banque Centrale, établi à 156 gouttes 59-25 pour yon dollar américain. Sous marché informel là pour journée 21 avril 2023, dollar américain était à 153 gouttes 75 à l'achat. D'après sa banque centrale fait qu'on a, elle était à 156 gouttes 85 à la vente. En dans banque, dollar était négocié à l'achat à 153 gouttes 33 66 et à 156 gouttes 59 25 à la vente. Goud là par rapport à peso dominicain pour journée samedi 22 avril là, c'est des gouttes 81 40 ou yon peso à l'achat et des gouttes 87 19 à la vente. En gade ensemble, qui j'en s'atteye sous marché matière première yo, prix baril pétrole index WTI a augmenté à 0.1% pour fermer journée vendredi 21 avril là à 77.87 $. Pour 6 mois année fiscale 2022-2023, revenu qui enregistré a monté à 84.7 milliards gouttes contre 56.7 milliards pour année fiscale avant, ça qui baille une augmentation 47%. D'après ça, directeur général Bidjeya, Jean-Michel Silin fait connaître pendant présentation le tap fait mardi 18 avril passé à dans 13e édition sommet international financement qui était organisé sorti 17 pour arriver 19 avril qui saute passé là. Performance a porté un taux succès à 51.6% comparé à objectif global collecte pour année fiscale actuelle là. Haïti besoin yon financement 717.9 millions de dollars américains pour aider 3.2 millions moun sous 4.9 millions qui n'en besoin. C'est bureau coordination affaires humanitaires Nations Unies OCHA pendant lancement plan réponse humanitaire 2023 pour Haïti 13 avril passé a qui t'a communiqué chiffre sa yo. Organisateur 13e édition sommet international financier, t'es couronné coopérative épargne à crédit Nord-Ouest là, complexe, coopérative pour l'espoir, pour mode gouvernance li qui gagne journée jodia yon actif 705.7 millions goudes. Caisse populaire, ressources, confiance des marigots, CPRCM, vini dans deuxième position ak yon actif 781.3 millions goudes nan date 30 septembre 2022 et puis Sokolavim qui gagne 2.4 milliards goudes vini en troisième position nan classement outil supervision Camélite établi sous 20 pi gros caisse populaire pays a. 8e édition sommet Fintech te déroulé hier vendredi 21 avril là dans hôtel Marriott sous thème paiement digital pour transformation sociale, économique et financier Haïti. Identification, clé pour inclusion financière, rôle innovation dans entrepreneuriat et transformation technologique, nouveau génération dans services financiers, c'est parmi quelques autres sujets qui étaient discutés pendant ce sommet ça. C'est là nous mettions bout à Profil Hebdo pour semaine ça. Merci parce qu'il t'a coûté. Rendez-vous cassé week-end prochain.